Oh, ça sent la merde. Oh, yeah, la merde. Oh. Ah, je rigole. Oh, le gros scato, tu sais. Bikies, comment ça va? Moi ça va super bien. Alors aujourd'hui, ça y est, j'ai récupéré ma carte grise. Alléluia! Ça faisait 4 fois que j'y retournais. Un coup, c'était pas ça. Un coup, il manquait un papier. Un coup, il manquait un autre papier. Un coup, il m'avait pas dit de papier, donc j'ai dû retourner. Oh là là, la galère. Donc je sais pas. Mais au lieu de nous faire venir et revenir, venir et revenir, pourquoi tout simplement vous nous dites pas? Alors il vous faut ça, ça, ça et ça. Au revoir. Eh ouais. Eh ouais mec. Ça serait tellement plus facile pour vous et pour nous. Hein. Je veux dire, vous, ça vous évite de reposer les mêmes questions tout le temps et de pas avoir les mêmes gueules tout le temps. Et pour nous, ça évite tout simplement de revenir. Voilà, donc je l'ai eu, ça y est. Vous allez me dire, mais comment t'as fait? T'es un gars, comment t'as fait pour perdre le permis? Eh ben mec, figure-toi que quand je suis allé au rassemblement à la Grande Motte, j'ai eu la brillante idée de ne pas prendre de portefeuille et de prendre juste mes papiers. Donc dans le porte-papier, hein, le truc en plastique là. Putain, ça sent la bite ici. Ça sent la bite. Putain, un coup ça sent la merde, un coup ça sent la bite. Je disais, en arrivant à Montpellier, j'ai pris mon porte-carte où j'avais mis mon billet de 10. Donc, Namotin. Et à mon avis, c'est là où je l'ai fait tomber, sans m'en apercevoir. On est arrivé au point où il fallait que je refasse des papiers. Et elle me dit, bon ben, ça vous fera 50 euros. What? Mais quoi, 50 euros? Ben oui, la plaque d'immatriculation, elle est nouvelle. C'est une nouvelle moto. Donc vous avez payé 50 euros. Eh ouais. Et je lui dis, mais c'est combien pour les anciennes? Oh, ben c'est 2 euros. What? C'est quoi ça? C'est quoi cette embrouille? Là, ils me l'ont mis, mais c'est pas profond. Ils m'ont transversé, quoi. Film porno, non, pas porno, donc film porno. Ça va? Et toi, ça va? Bonjour. Eh oui. Vous allez courir derrière les filles, hein? Non. Je crois pas. Moi, je te merde. Je veux le mot de Monique après moi, ça. Je vais te faire des copains, alors. Ah. Bonjour. Je vais pas raccrocher. Je vais raccrocher alors. C'est la fin du monde, les amis. Non, je rigole. Mais imaginez-vous qu'un seul instant, qu'il n'y ait plus d'internet partout dans le monde, en fait. Il est tout à fait possible que les rayons du soleil provoquent des extinctions électroniques. Donc ça veut dire que plus rien marcherait. Plus rien, même ta montre, même ton micro, même ton rétroviseur, même ton godemiché, plus rien marcherait, t'imagines? Ah, oh, ça serait bête. Et même pas ta moto, puisque la batterie fonctionne à l'électricité. Imaginez-vous un monde où toute l'électronique ne marcherait plus. Ah, mais ça serait la galère. Oh, on retournerait au Moyen-Âge. Vous imaginez? Ok. Ok. Monseigneur. Ça serait qui, Jacouille? Hein? Non, imaginez-vous, il n'y a plus rien. On s'éclaire la bougie, on dort. Hein. On dort quand le soleil se couche, on se lève quand le soleil se lève. On achète des coques, des poules. Ils pèsent entre eux, motherfucker. Ils te ramènent des poussins
les poussins qui grandissent, qui deviennent des poules, des coqs, qui se pèsent entre eux. Le cercle de la vie, quoi. Imaginez-vous tout ça, au Moyen-Âge, avec que de la verdure, motherfucker. Que de la verdure, aucun Lidl, aucun Intermarché. La peste noire, the black pest. Oh yeah, motherfucker. Bon, malgré ça, on est bon pour l'instant, on est bon. Tout marche, internet marche. Oh yeah, c'est bon. J'ai commencé à créer mon site, thebiketoroad.com, où on va retrouver mes dernières vidéos, mes top vidéos, ma boutique qui sera plus tard, biketoroad.com. Là, on rentre dans la montagne. Jesus Christ, motherfucker! Wouhou! On se gèle les couilles! Wouhou! Oh yeah! Oh! Vous savez à quoi ça sert cette barrière? C'est quand il y a la neige. Mais là, il y a du vent, les amis! Ah! Putain, la galère! Oh là là, oh là là là. Alors là, je peux vous dire, les amis, que il y a du vent et c'est pas très agréable de rouler. Bon, une fois qu'on est à l'abri, ça va. Mais là, je me fais déporter, je me fais branler dans tous les sens. Ah, c'est pas bien ça. C'est beau par ici. J'ai les doigts congelés et j'ai mis les sous-gants. J'ai pas froid au reste du corps, mais les mains, je vous dis pas. Hein. C'est quoi ce vent de taré hein. Oh là là, c'est pas agréable. Oh là là. Maman. Ah. Ouais, on va boire un truc.